Allez, c'est le premier combat pro de la soirée. Thomas Vézies face à Karim Youssouf. Un bouillant, hein, Karim Youssouf. Il nous vient d'Angoulême, la team à Flanaï. C'est un garçon que j'aime bien. J'ai découvert il y a quelques mois. C'est un bon test pour les deux. Hein. Et c'est parti dans ce duel chez les moins de 78 kilos. Ah, c'est percutant tout de suite, tout de suite. Il a fait mal hein, avec ce middle. Karim Youssouf. C'est propre hein, entre les deux hommes. Il prend son temps, hein, Karim Youssouf. On le voit, il est bien ancré dans le ring. Marqué un petit peu à la pommette, Thomas Vézies. Travail en puissance de Karim Youssouf qui va chercher sur les côtés. Il y a un coup, j'avais pas vu. Hein. Côté de dos, un coup coquille. On va laisser Thomas Vézies récupérer. Apparemment, c'est du kick. Vous savez pas ? Allez, c'est reparti dans ce combat. Ah, il est percutant, hein, Karim Youssouf. Ses points. Peut-être pas le laisser venir, hein. Peut-être rester à distance. Voilà, bon, travailler dans les déplacements. Bah, il fait mal hein, sur les cuisses. Ah, il est stoïque à souhait. Notre ami Karim. Il y a vraiment une différence d'impact. Hein. Voilà. 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 Alors, rappel, hein, on est chez les pros, donc ce sont des reprises de 3 minutes.
Et c'est la fin de cette première reprise. Avec deux styles différents. Hein. On a vu un Karim Youssouf destructeur à souhait, posé dans ce qu'il fait. Et puis Thomas Vézies qui essaye de mettre du rythme. Là, faut bien récupérer, évidemment, hein, parce que, mine de rien, c'est très énergivore ce que les deux font. Pour rappel, hein, ce sont deux hommes qui passent leur baptême du feu, on va dire ça comme ça, puisque c'est leur premier combat pro. Ah, y a du respect, évidemment, ça n'empêche pas. Ah, il les prend sur les bras, je pense qu'il a tort. Hein. De rester en face comme ça, il s'expose aux frappes. Intérieur. Le retourné, c'était bien vu. Ouais, il faut pas rester en face, hein. C'est monstrueux. C'est vraiment un monstre de puissance, Karim Youssouf. Il est déconcertant. Hein. Solide, hein, mentalement, Thomas Vézies, pour tenir comme ça, et le crochet est passé. Ouais, il est pas bien. Il est pas bien. Ah, c'est bien, il a raison, Didier Noirot, d'arrêter et de compter Thomas Vézies. Il y a eu ce crochet, et puis derrière... Ça va être dur pour Thomas. Il n'est pas bien du tout. Ah, il a du cœur, hein, Thomas Vézies, pour résister à tout ça. Chaque coup donné par Karim Youssouf, c'est pour faire mal. C'est vraiment pour détruire l'adversaire. Allez, c'est la fin de la deuxième reprise. Ouais, elle a été dure, hein, cette deuxième reprise pour Thomas Vézies. Il y a ce décompte et puis... il y a ces séries. Allez, il faut récupérer, hein, pour Thomas Vézies, parce que là, cette reprise va laisser beaucoup, beaucoup, beaucoup de traces négatives, on va dire, dans celle qui reste. Il a face à lui un bloc. Voilà, un garçon comme ça qui est méthodique, qui fait mal sur chaque coup, qui prend son temps. Mais à chaque fois qu'il frappe, ça fait mouche.
on repart dans le même registre. Et il lâche pas, bravo Thomas Vézies d'avoir du cœur, gros mental. Ouais, c'est joli, et c'est en bout de course. Ah, il lâche pas, hein, Thomas Vézies, au contraire. Ah, c'est extraordinaire hein, ce qu'est en train de faire Thomas Vézies. Il est fatigué, Karim Youssouf, on le voit, il débite nettement moins. Et il en profite, Thomas Vézies, il marque ses points. Je reste sans voix parce que... Je pense pas qu'il soit devant hein, Thomas Vézies, mais alors, quelle leçon de courage. Ah, jusqu'au bout, il n'aura jamais, jamais lâché dans ce combat, Thomas Vézies. Il reste 10 secondes. Ah, il y va à l'énergie, parce que lui aussi a beaucoup donné. On va attendre la décision, mais alors, quel plaisir, quel bonheur. Et donc, les vainqueurs de ce combat, de ce fantastique combat dans le coin rouge, Karim Youssouf. Pour être un peu plus fort, on va laisser s'il vous plaît, parce qu'il a été bon, il a été grand.